J'ai commencé la lutte vers 9 ans à peu près. Je faisais pas du tout de sport et je comptais pas faire de sport. Quand j'ai commencé la lutte, je savais que ce serait pas un loisir parce que j'arrive pas en fait à faire un sport pour le plaisir. Enfin, pas pour le plaisir, mais en fait, dès que je commence à m'investir dans quelque chose, c'est directement pour le résultat et la compétition parce que je sais pas, c'est dans mon caractère en fait. Et je sais que la lutte, ça me prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices. Et je dois mettre beaucoup de choses de côté et je sais pourquoi je fais ça et c'est vraiment pas un loisir. Que ce soit dans des grandes compétitions, je sais pas, les Jeux Olympiques ou quoi, il y a beaucoup d'athlètes qui ont un niveau assez similaire et celui qui l'emporte, on voit souvent que c'est le mental, donc je sais que ça m'aide beaucoup. Après, pourquoi j'ai ce mental? J'ai toujours été comme ça, en fait, habituée à toujours vouloir gagner, toujours vouloir avoir ce que je souhaite et travailler pour l'avoir. Donc, c'est pas comme si à côté de ça, je faisais pas grand-chose et après, j'espère gagner. Je sais que là, je m'entraîne beaucoup pour gagner et je sais pourquoi je le fais et je pense que c'est ça qui joue aussi sur mon mental. Viens. Et je me rends pas vraiment compte de ce que je fais, c'est vraiment la sensation. Je pense que ça dépend des athlètes et des lutteurs. Il y en a, c'est plus au feeling, il y en a, c'est plus répéter. Et du coup, après, ils auront des automatismes. Mais moi, c'est vraiment le feeling, le corps, les sensations. Et encore une fois, par rapport à comment mon adversaire va se comporter, je vais savoir réagir et sans vraiment y réfléchir. En fait, je veux pas dire je vais gagner les jeux ou je suis une championne. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite vraiment, mais j'aurais pas la. Je sais pas, je me vois pas en position de dire que je vais le faire ou que je le suis ou. Trois bras roulés, c'est fini.